Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga et bienvenue dans cette vidéo unboxing colis manga. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous plaît ou sur le manga que je vais présenter. Je me suis freiné, un truc de fou pour ne pas ouvrir ce colis et vous faire une petite vidéo parce que j'aimerais bien découvrir avec vous le contenu de ce colis. Donc il y a des mangas, c'est des mangas d'occasion que j'ai acheté sur le Bon Coin, que j'ai négocié. Voilà, il faut souvent négocier sur le Bon Coin, j'adore le Bon Coin. Et petite histoire, c'était dans un point relais que je ne connaissais pas et je me suis évertué pendant une dizaine de minutes à dire que je ne m'appelais pas Sophie. Donc je ne m'appelle pas Sophie, j'ai donné mon nom et ils n'arrivaient pas à me trouver, donc c'était un peu... Et sauf que le colis est complètement, mais complètement défoncé. J'espère que c'est bon. Donc on va tout de suite ouvrir ce colis ensemble et il y en aura d'autres bien sûr parce que je suis un peu un acheteur compulsif manga. Donc voilà, on va ouvrir tout de suite ce colis ensemble. Un petit couteau, toujours le petit couteau. Et donc, oulala, ça sent pas bon, Donc, vous pouvez voir, le colis est défoncé, mais c'est bien protégé à l'intérieur. Donc, ça, c'est cool. J'espère que les mangas sont en bon état. Alors, je vais découvrir ça avec vous. Donc là, il y a du papier journal, ça, on s'en fout. Ah, ok, il y a du papier bulle, il y a du papier journal, encore du papier journal. Il y a du papier journal, encore du papier journal. Et donc, verdict, c'est les Bride Story du volume 1 à 9. Donc là, le volume 2. Voilà, le volume 2. Ils sont en très bon état, je trouve. C'est vraiment cool. Le volume 3, alors c'est Bride Story, mais c'est cool. Bride Story, voilà, volume 3. Volume 4. Voilà. Volume 5. Les jaquettes sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très très beau. J'adore. Manga d'édition Kiun de Kaoru Mori. Kaoru Mori, voilà, une mangaka très très douée artistiquement. Voilà, très très douée artistiquement. Que j'ai lu les 9 premiers, je les ai lus à la médiathèque de ma ville. Mais je n'ai, voilà, je voulais vraiment les avoir dans la collection, voilà, donc, voilà, le petit soleil. Là, on est le tome 6, ensuite, le tome 7, très très beau, voilà, magnifique. Le tome 10 est sorti il y a quelques temps, donc je voulais me faire la collection, voilà, ils sont vraiment blancs, les pages sont blanches, c'est vraiment cool, ils sont en bon état. Je vais envoyer un message à la personne. Volume 8. Oh là là, c'est classe. J'aime beaucoup. Très bien protégé. Voilà, voilà. J'avais peur que le colis ait là le volume 9. Les 9 tomes, les 9 premiers tomes de Bride Story, voilà, de Kaoru Mori aux éditions Kiyun. Je suis très content, ils sont en très bon état. Alors c'est quoi Bride Story en quelques mots? C'est l'histoire se passe au 14e siècle en Asie centrale, dans un petit village où on va suivre les aventures de Amir et Karluk, avec des mariages arrangés, les mariages, les coutumes, les traditions. C'est très documenté, c'est extrêmement beau, voilà. Si je peux vous montrer quelques screens du volume plutôt 1, du 2, 3, sans vous spoiler, voilà. C'est magnifique, voilà, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Voilà, les jaquettes sont très très belles. Je suis très content de rentrer ça dans la collection. Et les thèmes seront le mariage arrangé, les mariages, l'amour, les coutumes, les traditions. Il y a un peu aussi de guerre, de bataille entre clans. Donc c'est très très beau. C'est voilà, je conseille vivement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo unboxing manga. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille vivement de vous intéresser à Bride Story. C'est très très beau, c'est magnifique, un très joli manga. L'excitation me fait dire n'importe quoi, c'est Bride Stories et non pas Bride Story. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram sur l'envers du manga et je vous dis à très bientôt. Ciao.